Les gars, faut arrêter de dire que la Belgique, elle a aucun titre. C'est faux, les gars. La Belgique a gagné les Jeux Olympiques en 1920. Oh là, c'est pas rien, les gars. Faut en parler. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-trophée. Oh là. Rendons à César ce qui appartient à César. Rendons aux Belges ce qui appartient aux Belges. Les amis, quand Benzema il est revenu en équipe de France, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ouais, Didier Deschamps, il donne une chance à Benzema. » C'est Benzema qui a donné une chance à Didier Deschamps, les gars. Didier Deschamps, il n'avait pas le choix. Quand Deschamps rappelle Benzema, le groupe, il était déjà en train d'exploser. Nous, on croit que le groupe, il a explosé pendant l'Euro. Non, les gars. Il y avait déjà des signes annonciateurs. Regardez Giroud qui fait l'interview une semaine avant. Regardez Mbappé qui répond en interview. Tout le monde faisait ce qu'il voulait, les gars. Donc Deschamps, il avait rappelé Karim Benzema pour remettre de l'ordre. Voilà, les gars. Faut arrêter de dire, ouais, Deschamps, il a donné une chance. Il a rien donné du tout. C'est oui, rappeler Benzema ou sa place a sauté, les gars. Le groupe, c'était fini. Les gens, ils disent qu'avec Benzema, sans Benzema, on a gagné la Coupe du Monde. Mais voilà que sans Benzema, l'Euro, on passait même pas les poules. Voilà, les gars, on passait même pas les poules. Les joueurs, ils avaient trop d'ego après la Coupe du Monde. Il fallait un joueur avec de l'expérience, un joueur qui leur met les idées en place. J'ai gagné 20 Ligues des Champions et je me bats encore. La vérité, les gars, je fais un petit flashback. Mais la France contre l'Allemagne à l'Euro, sans Benzema, on perd le match. France-Portugal à l'Euro, sans Benzema, on perd le match, les gars. Voilà qu'on n'aurait même pas passé les poules. Ça aurait été une poule. Ça, Domenech qui nous dit que la France a raté son euro à cause de Benzema. Donc la France n'a pas raté son euro à cause du pénalty raté de Mbappé. Non, non, non. Non, c'est Benzema qui est coupable du pénalty raté de Mbappé. Arrêtez au bout d'un moment. Toutes les familles des joueurs, ils sont embrouillés, ils ont foutu la merde. Giroud, il a foutu la merde. Une semaine avant l'Euro, il a déstabilisé le groupe. Mbappé qui a répondu en conférence de presse à Giroud, pareil. Voilà, mais c'est Giroud qui a commencé à foutre la merde, les gars. Mais jamais ils le diront, jamais. Quand Giroud il s'exprime, c'est parce qu'il est en colère et il a du caractère. Quand Benzema il s'exprime, c'est parce que c'est une racaille et qu'il est mal élevé. Et il y en a marre de cette dictature médiatique. Il y en a marre. Et aujourd'hui, c'est le peuple qui décide. Voilà. Et le peuple, tout le peuple français, il aime Benzema. D'accord? Donc, ils sortent tous vos sondages de merde. Ouais, 95% des Français ne veulent pas du retour de Benzema. Oh, arrêtez d'interroger les gens dans les salons parisiens. La France, c'est pas le palmarès de Raymond Domenech. On a failli gagner la Coupe du Monde. Et tu peux remercier Zizou. Parce que même avec Rudy Garcia entraîneur, on serait arrivé en finale de Coupe du Monde en 2006. Voilà. Wesh. Zidane tellement était nul, il devait faire joueur et entraîneur. Voilà. C'est pendant la Coupe du Monde qu'il a eu sa formation entraîneur. C'est lui qui a ramené l'équipe en finale. Et les joueurs, ils se prennent pour des experts. Ouais, Benzema le fautif, alors que c'est lui qui est meilleur buteur de l'équipe à l'Euro. Alors que c'est lui qui fait une remontada contre la Suisse. Alors que, oh, je comprends pas, moi, les gars. Je comprends pas. La vie de ma mère, ça me fout la haine. Ces dernières années qui remontent en plus, tous les jours c'était ça les médias. Benzema il se prend une amende par la police. Benzema pris en chasse par la police. Benzema il pète. Benzema il pète un câble. Voilà. Benzema il dit hamdoulah. Benzema appelle au djihad. Il y en a marre de vous. Il y en a marre. C'est vous avez foutu cette merde. Voilà. Et soyez content que c'est un mec qui a un bon mental qui oublie et qui fait avancer l'équipe de France. Voilà. Parce qu'avec ce qu'il a encaissé. Je vous nique. Mbappé, ça a payé les gars, j'ai mis 500 dessus. Mais le problème, quand tu dis à un pote, j'ai gagné un pari, il te dit quoi? T'as gagné? Paye ton resto. C'est pour toi, paye ta chiche. Tu payes ta chiche? Paye ta cig. Voilà, paye ta cig. Bravo, t'as gagné, félicite. La moindre bonne nouvelle que tu leur annonces, ils s'en servent pour eux-mêmes. Voilà, va voir un pote, tu lui dis, oh frérot, j'ai une promotion au travail, je vais te payer le double. Ah ouais? Paye ton resto. Voilà. Paye ta chiche. Voilà. Tu payes ton sorvette. Paye ton slip. Oh, ta grand-mère aussi, non? Voilà. Frère, je jure, il y en a, tu peux pas leur annoncer de bonnes nouvelles sans qu'ils te grattent. Voilà, frérot. Voilà. Comme il y a des gens, tu leur dis, oh frérot, le jour où tu es en galère, appelle-moi. Une heure après, je suis en galère. Oh frère, je t'ai dit, le jour où tu es en galère, pas. Oh. Le problème, c'est que t'en as, ils sont tous les jours en galère. Donc, il faut leur dire, le jour où tu es en galère, plus qu'un autre jour où tu es déjà en galère, appelle-moi, je serai là. Voilà. La remontada, c'est la roulada, les gars. La vie de ma mère, la roulada, le meilleur compte Snap humour de France avec des contenus...
original. Les autres comptes Snap, c'est des contenus originaux, nuls. La vie de ma mère, tous les comptes Snap, ils font les mêmes blagues à part la roulada. La vie de ma mère, tu regardes les snaps de la roulada, tu te roules par terre de rire. La vie de ma mère, moi je casse des télés, avec eux tu te casses de rire. Oula les gars, la vie de ma mère, ils vont te casser. Et moi vous savez, c'est très très compliqué de me faire rire les gars. Oula, je rigole jamais de rien, mais la roulada, je valide à 100%. Quand il y a une défaite de l'OM, quand il y a un match qui se passe mal ou quoi les gars, la seule chose qui me réconforte, c'est les snaps de la roulada. Oula les gars, il n'y a que ça qui me remonte le moral frère. Sinon je pète une télé, je m'énerve, je suis obligé. À l'heure d'aujourd'hui, quel compte snap peut s'asseoir à la table de la roulada, les regarder droit dans les yeux et leur dire on fait plus rire que toi? Qui les amis? Qui? Personne. Il n'y a personne à leur table les gars. La vie de ma mère, les gottes. Qu'est-ce qui est jeune et qui attend de vous faire rire? C'est le snap de la roulada. Ajoutez-les les frères. Voilà. Moi les gars, tous les jours je vous fais rire. Enfin, j'essaie de vous faire rire. Mais moi qui me fait rire les gars? À part le compte humour snap la roulada. Enfin, un compte snap humour avec un vrai contenu. Les autres, ils ont des comptes nuls. Nuls, voilà. Je regarde leur snap, je suis comme ça. Très drôle. Voilà. Les gars, la vie de ma mère, vous savez que la roue tourne, la roulada tourne, faut faire tourner leur snap les gars, la vie de ma mère, faites-en profiter à vos amis, à vos... on a tous besoin de rigoler les gars, on sort d'une période difficile, voilà qu'on a besoin de ça, c'est totalement gratuit, l'humour ça n'a pas de prix les gars, voilà, et moi je vous dis ce que je préfère dans le... Moi j'aime bien l'humour, j'aime pas même titre, là vous-même... Bon allez, il y a un bon débordement, like a... J'étais ni ton plan A, ni ton plan B. Momo, c'est quoi ton... Tu veux une blonde ou la vis? Les gars, meuf sur Snap, frère, un boulet. Ton beat, les mecs à la caméra, le blended beat. Ça va. Voilà. Une fois, tu parlais avec une meuf. C'est mon cas. Voilà. Il donne des rendez-vous sans envoyer. Et je lui envoie la photo la plus moche. Comme ça. Et si tu me plais pas, on fait comment? Quand une meuf te dit ça, t'as vu? Et le jour où on se voit, si je te plais pas, on fait comment? Toi, tu dis quoi? Mais t'es obligé de me plaire. De toute façon, même si t'es moche, je te baise. Hein. Tu veux faire un truc mignon, tu fais monter la meuf dans la voiture, voilà, et tu mets l'autocollant bébé à bord. Ta meuf elle va te dire, mais chérie, t'as pas de bébé? C'est toi mon bébé. C'est toi mon... Baby, baby, baby love, baby. Hey Mercedes! Je vous écoute. Quel est le palmarès de la Belgique? Est-ce que vous pouvez répéter encore une fois? Bien sûr. Désolé, je ne peux malheureusement pas vous aider. Les meufs, elles sortent avec des mecs. Le mec, il dit à sa meuf, ouais, je dois aller en Espagne, aller-retour. La meuf, elle croit que c'est un mafieux, son mec. Oh, il va à la Jonquera, il va voir des prostituées, ton mec. Hein. Oula, crois pas qu'il va livrer de la drogue ou quoi. Oula. Elle croit son mec qui fait des go fast. Là, oui, il fait des go fast, mais il va avoir des go en fait. Il va avoir des meufs, voilà. Tu crois quoi toi? Ouais, mon mec, je me mêle pas de ce qu'il fait. Il va en Espagne, il revient dans la nuit. Ouais, il va avoir des joints. La vie de ma mère. Pourquoi il revient avec 2 kilos en moins? Voilà. Tout détendu avec un gros sourire, avec une odeur de fraise. Voilà. Tu crois quoi toi? Il revient tout détendu d'Espagne. Un mec qui revient de go fast, il est là, il est pas bien. Voilà, frère. Un mec qui fait des go fast. La vie de ma mère, c'est des go. Il va avoir des go fast. Ça, oui, frère. Voilà. Ouais, il est mystérieux, mon mec. Il est pas mystérieux. Il est en chien. Il veut baiser. Faut en parler de ce logo de la pharmacie, les gars. Voilà. Là, combien de fois je l'ai vu dans mon rétro? Je croyais que c'était les flics. Vous voyez derrière, là? Voilà. T'es là, t'as l'impression, tu crois que c'est les flics. T'es là, tu roules la balle, tu t'échappes. Voilà, course-poursuite. À la fin, tu vois, c'est le logo de la pharmacie qui est trop éclairé. Voilà, les gars. Coup de pression pour... Alors t'as des meufs, voilà, leur mec il leur dit rien, elle croit que c'est des mafieux, voilà. Écoute mon mec il me parle jamais de ce qu'il fait, il me dit rien, c'est peut-être parce qu'il fait rien, non? Voilà, je sais pas. Alors t'as des meufs, voilà, leur mec il leur dit rien, elle croit que c'est des mafieux, voilà. Écoute mon mec il me parle jamais de ce qu'il fait, il me dit rien,
C'est peut-être parce qu'il fait rien, non? Voilà. Alors t'as des meufs, voilà. Leur mec il leur dit rien. Elles croient que c'est des mafieux. Voilà. Écoute, mon mec, il me parle jamais de ce qu'il fait, il me dit rien. C'est peut-être parce qu'il fait rien, non? Voilà. Alors t'as des meufs, voilà. Leur mec il leur dit rien. Elles croient que c'est des mafieux. Voilà. Écoute, mon mec, il me parle jamais de ce qu'il fait, il me dit rien. C'est peut-être parce qu'il fait rien, non? Voilà. Alors t'as des meufs, voilà. Leur mec il leur dit rien. Elles croient que c'est des mafieux. Voilà. Écoute, mon mec, il me parle jamais de ce qu'il fait, il me dit rien. C'est peut-être parce qu'il fait rien, non? Voilà. Alors t'as des meufs, voilà. Leur mec il leur dit rien. Elles croient que c'est des mafieux. Voilà. Écoute, mon mec, il me parle jamais de ce qu'il fait, il me dit rien. C'est peut-être parce qu'il fait rien, non? Voilà. Alors t'as des meufs, voilà. Leur mec il leur dit rien. Elles croient que c'est des mafieux. Voilà. Écoute, mon mec, il me parle jamais de ce qu'il fait, il me dit rien. C'est peut-être parce qu'il fait rien, non? Voilà. Alors t'as des meufs, voilà. Leur mec il leur dit rien. Elles croient que c'est des mafieux. Voilà. Écoute, mon mec, il me parle jamais de ce qu'il fait, il me dit rien. C'est peut-être parce qu'il fait rien, non? Voilà. Alors t'as des meufs, voilà. Leur mec il leur dit rien. Elles croient que c'est des mafieux. Voilà. Écoute, mon mec, il me parle jamais de ce qu'il fait, il me dit rien. C'est peut-être parce qu'il fait rien, non? Voilà. Alors t'as des meufs, voilà. Leur mec il leur dit rien. Elles croient que c'est des mafieux. Voilà. Écoute, mon mec, il me parle jamais de ce qu'il fait, il me dit rien. C'est peut-être parce qu'il fait rien, non? Voilà. Alors t'as des meufs, voilà. Leur mec il leur dit rien. Elles croient que c'est des mafieux. Voilà. Écoute, mon mec, il me parle jamais de ce qu'il fait, il me dit rien. C'est peut-être parce qu'il fait rien, non? Voilà. Alors t'as des meufs, voilà. Leur mec il leur dit rien. Elles croient que c'est des mafieux. Voilà. Écoute, mon mec, il me parle jamais de ce qu'il fait, il me dit rien. C'est peut-être parce qu'il fait rien, non? Voilà. Alors t'as des meufs, voilà. Leur mec il leur dit rien. Elles croient que c'est des mafieux. Voilà. Écoute, mon mec, il me parle jamais de ce qu'il fait, il me dit rien. C'est peut-être parce qu'il fait rien, non? Voilà. Là, je suis avec ma meuf en voiture, là. Elle me dit, bébé, surprends.